partager la mer, la sauvegarder. Tous les usagers de l'océan ont voulu passer un message fort ce matin sur la plage de Trudeau à La Saline. 200 personnes étaient mobilisées. 200 personnes rassemblées ce matin sur la plage de Trudeau à La Saline. L'objectif de cette manifestation, protéger notre lagon en danger. La mer appartient à tout le monde, il faut la respecter. Baigneurs, surfeurs, tous les usagers de la mer se sont donné la main. Nadia Tayama, Alix Catherine. Un radeau de survie qui peine à ouvrir pour l'occasion pour dénoncer un lagon sous pression. Une action symbolique pour faire comprendre que le monde de la mer est à la dérive à La Réunion en ce moment. Et donc voilà, même les petites choses de secours, vous voyez que des fois ça marche pas, donc il faut s'y prendre à l'avance pour vraiment être en sécurité quoi. La sécurité pour tous les baigneurs. Près de 200 citoyens se sont rassemblés sur cette plage de Trudeau à La Saline. La matinée de sensibilisation a débuté avec un hommage à Elio, un aloha au large avec les surfeurs et les bodyboarders, une chaîne humaine sur le sable pour sauver un lagon en danger. On a fait un cercle, on s'est tous donné la main et on a crié notre tristesse, notre peine, mais on va se battre jusqu'au bout maintenant. Parce qu'on a toujours utilisé l'océan et on aimerait pouvoir y retourner sereinement, comme il y a, on remonte 5 ans en arrière. Tout le monde va aller dans le lagon vu que toutes les plages en gros sont interdites, vu qu'il y a des requins. Et du coup le lagon bah, il est pollué, on voit bien qu'il y a tout le temps de la pollution, il y a des déchets partout et du coup bah, on est venu genre pour les ramasser. Je suis venue ici déjà pour soutenir pareil cette cause de la crise requin. Et je pense que c'est bien de montrer aux gens que voilà, qu'on est tous unis et qu'on défend tous la même cause pour pouvoir faire avancer les choses et qu'il n'y ait plus d'attaques mortelles et tout. Et les plus jeunes ont également pu s'exprimer à travers le dessin. Je dessine la mer avec les gens. Alors ce matin, on leur a demandé de nous dessiner l'océan. Voilà, parce qu'on a envie d'avoir une vision des représentations qu'ont les enfants aujourd'hui de l'océan. Ça fait quelques années maintenant qu'ils en sont privés. Et on avait envie de voir justement quelles étaient leurs représentations à ce jour. Représentation des requins sur le papier, mais également la sauce sésame, bien grillée, les amateurs ont apprécié. Une petite préparation de requin tigre avec du sésame et du pavot, et c'est excellent. Vraiment bon. Ça fait quoi de déguster le requin? Franchement, c'est vraiment excellent.